C'est un tractopelle de coup d'oupelle. Ah si, ah si, j'aime bien. Si si, mon gars, elle a du couple. Ah, tu diras ce que tu voudras. Mais d'origine, je te le dis, elle avait quand même du couple. Dernière fois que je roule full d'origine avec et... J'aime autant dire que c'est un camion. Messieurs, c'est confortable, c'est agréable. C'est une moto, mon gars. Elle est tellement bien. Bon, déjà, en changeant les pots d'origine, je vais gagner du poids. J'ai trop hâte d'entendre le bruit, tu vois. Du coup, ça fera plaisir. Après, je change le filtre à air. Donc là aussi, tu vois, ça devrait ronronner un petit peu plus. Mais elle va aussi respirer un petit peu plus, quoi. C'est ça qui est bon. Ensuite, j'ai acheté un Cabnology, mais je l'ai paumé. Je sais pas où il est. Parce que normalement, ça aussi, ça donne de la pêche à la moto et tout. Ça sera jamais du niveau de ma 660 SMC, ça, on est d'accord. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui est au niveau de ma 660 SMC. Ça, ce que j'aime bien, c'est le côté utilitaire et que je vais rendre encore plus fun. Elle est fun déjà, hein. Honnêtement, elle est déjà fun cette moto, faut pas abuser, tu vois, elle a du couple et tout. C'est agréable en fait, c'est une moto, elle est agréable à conduire et elle est coupleuse. Que tu le veuilles ou non, mon gars, elle est coupleuse cette moto. Et le couple, ça te donne une sensation de puissance, de violence, même sans atteindre des vitesses de taré. Tu sens cette force de tracter. Et elle, elle a un couple de tracteur, mon gars. Mais vraiment, c'est un truc de camionneur, quoi. Et là, tu te fais plaisir. C'est ça que j'adore avec cette moto. Franchement, ce qu'elle n'a pas en chevaux, elle l'a en couple. Hein. Ça, je te le dis. Elle a autant de couple que certains monos qui sont à 60, 70 chevaux. Elle a le même couple. Elle a juste pas le même nombre de chevaux. Donc forcément, après, en vitesse de pointe, ça donne pas la même chose. Mais au niveau du couple, un couple de camionneur, honneur, mon gars, c'est tellement bon. C'est juste une force de tractation, donc ça va pas te faire aller vite, mais c'est une force, quoi. Et moi, c'est ce que je kiffe le plus, en fait. La force de tractage, mon gars. En mode camionneur. Je te jure, on s'éclate, hein. Moi, je te le dis, mon cousin. T'inquiète, ma grosse, on va t'améliorer. J'ai le couple du camionneur avec des bras de déménageur. Allez, pas de chameau dans la bécane, c'est parti. Le couple de camionneur. C'est un vrai camion. Oh, le camion! Le smirmorque! Le poids lourd! Oh là 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 là, j'adore! Et c'est ça qui est énorme avec cette moto, regarde! Pourtant, je suis à 80, tu sais, je m'éclate comme un petit fou! C'est ça qui est dingue en fait! Putain, c'est efficace! C'est galère, hein, t'as vu? Ah, la clé à choc, mon gars, c'est énorme! Il m'en faut vraiment une! C'est le prochain cadeau de Noël! Ah ouais! Et hop là! Pour rifter les chaînes. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais, bah dernière fois que je roulais avec mes pots d'origine, écoute bien ce petit son parce que on l'entendra plus. Après, ça sera les GPR et voilà. Dernière fois que je suis en mode discret. Si, parce que les GPR, je suis en mode discret quand même, tu vois. On y va, on va foutre les pots. La petite dirt bike. C'est tout léger, ça doit être génial. Combien de pots toi? Genre ça là, l'aide de ton pote d'origine. C'est pour ça que je croyais que t'étais reparti rouler, j'allais dire mais merde non. Non non. Je crois qu'on peut dire qu'on a fini. Ah oui. Premier essai avec les GPR. Le bruit est différent quand même. J'ai démarré la moto, j'étais pas déçu, mais tu vois, je m'attendais à un truc de ouf. Et après, en fait, je me suis dit non, c'est pas, voilà, c'est pas vraiment. Mais en fait, en roulant, ça grogne plus, quoi. C'est plus, tu vois. Après, c'est sûr, il y a les chicanes, il y a l'abri d'anti-pollution, il y a tout, tu vois. D'un côté, c'est peut-être pour ça aussi, tu vois. Bon, ça fait pas un bruit de ouf parce que j'ai les chicanes, j'ai le catalyseur. Donc là, on va aller foutre le filtre à air. Ça, c'est l'ancien, le KN. On va démarrer, voir ce que ça donne un peu. Ah ouais, sympa. Est-ce que tu entends? Ah là, c'est autre chose. Là, je te jure, mon gars, c'est vraiment un truc de ouf. Oh là 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 là. Excellent, excellent. Voilà, t'entends ça? Ça
c'est un truc de malade. Alors ça, c'est un câble Nolgi qui est spécialement fait pour la XTX 660. Donc qu'est-ce qu'un câble Nolgi? Donc en fait, ça vient à la place de ton antiparasite. Donc c'est un antiparasite qui va faire à ta bougie une étincelle beaucoup plus performante. Ce qui fait que ça va beaucoup mieux brûler toute l'essence qu'il y a dans ton cylindre. En fait, c'est pas tellement que tu vas gagner de la puissance, c'est plutôt que tu ne vas plus en perdre. Parce qu'avec un câble d'origine, l'étincelle, elle est ce qu'elle est. Elle est pas non plus énorme de ouf, même avec une bougie iridium. Et donc, il y a toujours une petite partie d'essence imbrûlée, tu vois. Et le câble, il sert à ça. Il sert à donner des watts à ta moto supplémentaire dans le sens où il va permettre qu'il n'y ait plus du tout de perte. Donc, pour pouvoir l'installer, il va falloir que j'accède à ça, qui est l'allumage. Je vais commencer par démonter le carénage qui est là. Ah, ce téléphone qui n'arrête pas. Dès que je fais une story, mon gros, après, c'est bon. Ça sonne, ça sonne. Ouais, c'est les notifications. Ok, des gens qui répondent à ma story. Tu vois, voilà, ça n'arrête pas. Là, t'as encore une vis. Tu vois, ça fait que ça. Viens donc, la vis, viens donc. Sois généreuse. Voilà. Ouais, pratique, ça. Voilà, alors, va-t-il venir tout seul? Alors, je sais que là, il est un petit peu clipsé, normalement. On va peut-être enlever la selle. Ça va peut-être aider aussi. Oui, ça aide d'enlever la selle. Ça permet de s'apercevoir qu'il y a une vis qu'on n'a pas dévissée. Viens tout seul comme dans du beurre, s'il te plaît. Bon, je voudrais pas le casser. Par contre, ici, voilà. Et voilà, ça vient tout seul. C'est super. Bon, le but, c'est de récupérer ça, là. Non, tu vas tout casser, après tu vas pleurer. Donc, arrête tout de suite. Je pense que ça peut se dévisser avec ça, à l'aise. Une fois que tu as ton allumage, juste tu dévisses, tu vois. Ok. Donc, tu vois, voilà, il ressemble à ça, le câble. Je crois qu'on est bon. Bon, bah voilà, ça y est, c'est remonté. J'ai hâte d'aller tester. Ah ouais. Donc j'ai pu tester le câble Nolgi, j'ai pu rouler un petit peu là. Ce que je peux te dire, c'est que les montées en régime, ouais, elles sont un peu meilleures. C'est clair, un peu plus énervé, mais rien de stupéfiant, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir gagné en puissance en soi. En fait, la puissance, elle est la même, sauf qu'elle est peut-être délivrée un peu plus rapidement. C'est bizarre à expliquer, mais c'est bizarre comme sensation en fait. Ta moto est plus énervée, mais elle est pas plus puissante pour autant. Un jour, t'as un de mes abonnés qui a aussi une chaîne YouTube, je vous la mets en description, qui a pris deux de mes photos Insta et qui a fait un montage dans lequel il a effacé le support de plaque de la XTX et j'ai trouvé ça trop stylé, gros. Je me disais, mais c'est trop classe comme ça. Et vraiment, j'étais scotché. Je me disais, mais elle est trop belle comme ça. Parce que je sais pas si tu te rappelles comment c'est d'origine, mais d'origine, ça lui fait quand même un gros boule, gros boule, gros boule. Ça fait un truc assez moche, assez lourd, assez. Et c'est en voyant cette photo que je m'en suis vraiment rendu compte. Je me suis dit, mais attends, elle est magnifique comme ça. C'est trop dommage. Donc je me suis mis à chercher un moyen de la rendre comme ça au maximum. Alors je peux pas non plus rouler sans feu, sans plaque, sans rien. Mais je voulais m'en rapprocher le plus possible. Et je suis tombé sur cette photo là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrive à faire la même chose. Donc là, j'ai tout viré en fait l'arrière. Franchement, moi je trouve ça fait tellement plus classe. Ça, c'est tout l'arrière qu'il y a normalement. Il va falloir que je coupe ça là, parce que moi je veux le retourner comme ça. Tu comprendras après. Faut se lancer quoi. Faut avoir le courage de se lancer. On va voir si j'y arrive. Alors tu vois, l'idée c'est que je fasse le contour comme ça. Hop, tac, tac. Ah, allez, on se lance. Alors je crois que c'est pour ça qu'il utilisait une bougie et pas un briquet ou quoi, parce qu'il m'avait dit faut y chauffer longtemps. Donc si tu restes là comme ça avec un briquet, déjà t'y passes tout ton gaz. Voilà, ça va être long. T'es en train d'y couper comme du beurre. Maintenant, ce qui va être très dur, c'est qu'il faut suivre cette ligne-là. Ça va être galère. Bon, tu vois, on avance. Il s'encastre parfaitement. Et après, en fait, ça se bloque tout seul. On croirait que c'est fait exprès. Regarde, là, c'est la moto qui bouge. C'est pas le feu. Le feu, il bouge pas, c'est la moto qui bouge. Incroyable la chance que j'ai eue parce que je savais pas comment le fixer, justement. Donc là, franchement, je suis refait, quoi. Alors, le problème, c'est qu'il faut remettre ça. Parce que tu vois, là, c'est tout à nu et tout. Le problème, c'est que comme ça, forcément, quand tu le remets, bah, tu vois bien que ça va pas, là. Hein, il y a un problème. Et le problème, c'est qu'il faut couper ici. Et tu vois, petit à petit, voilà. Déjà, ça commence à rentrer mieux. J'ai du jour. Parce que le truc, tu vois, il fait une sorte de V. Il va falloir que je découpe en V un peu comme ça, tu vois. Donc voilà mon gros, donc comme tu vois, je t'ai dit, j'avais coupé en diagonale, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'espère que ça va être la bonne forme, bah tu sais quoi, vas-y, on va aller voir. Ah bah franchement, on n'est pas si mal, hein, regarde. Bon, il y a un peu de jour, tu vois, forcément, il y a encore ça, c'est pas, tu vois, voilà, ça sera comme ça après. Je peux pas refaire la forme exacte non plus, tu vois, ça va, je me suis bien démerdé pour voir que j'ai rien, j'ai pas de patron, j'ai rien. Comme tu le vois, c'est bon, j'y ai remonté, et regarde, franchement, nickel. On est pas trop mal, là. Pour voir que j'ai fait ça vite fait, tu vois. Franchement, j'ai fait ça en deux soirs, quoi. Regarde-moi cette beauté. Regarde-moi comme ça fait beau par rapport à avant, franchement. Rien à voir, hein. Elle colle bien à la bavette, nickel. Franchement, je suis bien content. Et donc, pour ça, il a fallu que je rabote de ouf, tu vois. Donc, je t'explique. J'ai raboté là, là, tout ça. Maintenant, je vais découper cette barre en aluminium. Et ça, ça va être pour essayer de fabriquer mon support de plaque, moi-même. Donc, c'est parti. Il faut déjà couper là, là. Couper à l'arête. Alors, tu vois, ma chance à moi, j'ai des petits pas de vis de chaque côté, là. Là.
et là. C'est pour ça que là, je viens de découper ça à la disqueuse. Donc ce bord, tu vois comment je l'ai plié ? C'était tout droit. Hein. Ça va arriver là, là, comme ça. Je vais faire un trou pour pouvoir le visser. Et là, je vais faire la même chose jusqu'à celui-là, là. Et après, tu vois, je vais faire deux trous. Tac, tac. Bah, je vais fixer ma plaque là-dessus. Donc tu vois ce que je fais ? J'y coince dans l'étau, comme ça, et... tape comme ça en appuyant avec ma main. Bon là je peux pas le faire si je tiens la caméra. Donc voilà, donc ça c'est mon support de plaque. Je l'ai bien serré des deux côtés. Et là ça bouge pas, tu vois, c'est nickel. La plaque, j'aurais préféré la mettre plus loin derrière, mais le problème c'est qu'elle passe pas quoi. J'ai beau essayer d'écarter les deux pots, si je veux une plaque homologuée, malheureusement j'ai pas le choix quoi. Alors je suis allé ressouiller comme un porc, donc tu vois mon petite plaque en alu et tout ça, où il tient nickel. La plaque elle bouge pas, tu vois, ouais, je vais te la cacher hein. Franchement j'en suis bien content, j'en suis toujours à 0€ pour le moment dans l'histoire. Donc maintenant on attaque les clignots, donc tu vois, j'ai pris de l'homologué, j'ai pris un truc sympa. J'ai bataillé, je te le cache pas, parce que t'as vu, j'étais obligé de faire des rehaussements un petit peu et tout, parce que ils avaient tendance à partir un petit peu comme ça, tu vois, à retomber. J'ai réussi à les mettre à peu près droit, c'est cool. Oh, ça fait pas trop dégueulasse quand même, quoi. Ça reste discret, tu vois. Droite. Gauche. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleeve. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, from here we bringing them cats out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, spin back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters, they shooting. I won't take her, they roof, Chris. I get the breeze, then it's adios. If I'm with your trees, then she give it though. When I see police, then we gang low. That's another piece, that's another zone. Ice in the VVs, now she down to get treachy. I got all this water on me like Fiji. Bitch, I'm posted up with hats and the sleazies. Smoking the Zaza, it goes straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Open his lata, then he dancing my chata. Smoking the Zaza, it goes straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Then I'm open his lata, then he dancing my chata.